MNH. Je suis vice-présidente de Avignon depuis quelques années et également présidente de la commission prévention. Et je suis au conseil de surveillance à l'AERS également. Des actions en partenariat avec la mutualité, une sur Cayenne et peut-être prochainement sur Saint-Laurent-du-Maroni concernant la prévention des chutes pour les seniors et une action qui a été menée sur Saint-Laurent-du-Maroni, manger, bouger. Pour les personnes qui ont participé à ces différentes actions, des résultats obtenus. Et puis surtout, dans l'esprit, on voit la réalité un peu de la mutualité. Moi, je siège à la mutualité depuis des années, oui, je trouve que c'est très bien que maintenant, on a cette possibilité. Maintenant, on a cette possibilité de travailler un peu plus avec la mutualité et d'être sur le terrain avec. Je pense que oui, c'est une très bonne chose. En tout cas, pour tous les mutualistes. Bonjour, Sonia Darivon, présidente de la MGFI, la mutuelle donc des agents des finances publiques, qui fait donc partie de la mutualité française Union régionale Guyane. Donc on a eu des actions sur les maladies générées par les AVC. Nous avons eu des actions sur la vue et on vient d'avoir une action en décembre dernier où nous avons réalisé des tests audio sur les agents, les adhérents des mutuelles de Saint-Laurent-du-Maroni. Ah oui, la toute première fois de la mise en place de ce programme pied, la MGFI a pris une grande part. D'ailleurs, ce sont les adhérents de la MGFI qui ont été pris en photo pour la confection des affiches. L'affiche qui est derrière. Donc. Oui, tout à fait. En général, ils sont toujours friands d'actions de prévention, notamment lorsqu'il s'agissait de tests. On nous demande toujours quand est-ce qu'il y en aura une nouvelle. La mutualité française nous a apporté donc sa logistique, notamment pour les affiches, leur savoir-faire pour les actions précédentes. Moi, j'ai commencé avec la mutualité d'emblée, mais je me rends compte qu'en fait, grâce aux activités de la mutualité, moi, je refais la même chose au niveau de ma mutuelle, quoi. Les idées d'action, ben je les reprends au niveau de ma mutuelle pour que, et concernant l'organisation maintenant, ben je regarde comment ça se passe à la mutualité et je reproduis la même chose dans ma mutuelle. Donc c'est, en tout cas, c'est une aide dans toutes mes activités. Ben justement, pour la semaine du goût, c'était le cas. Là, on a participé à un atelier culinaire sur comment ne pas gaspiller. Mina Chanemine, déléguée MGEN, en charge de la prévention et aussi administratrice à l'UR, donc à la mutualité française de Guyane. L'année dernière, donc, on a mené conjointement deux actions dans le cadre de la Journée nationale de l'audition. Et il y a une action au mois de mai 2016, donc qui s'adressait à tous les mutualistes, qu'ils soient MGEN ou non mutualistes. Et on a aussi mené une action, donc toujours l'année dernière, durant les semaines d'information sur la santé mentale, on a organisé un village santé-bien-être, en partenariat avec la mairie de Cayenne également. Donc ça s'est déroulé au centre aquatique de Cayenne. On a
aux mutualistes des informations sur le bienfait de l'activité physique sur la santé mentale, sur le bien-être d'une manière générale. Sur la périnatalité, on a aussi l'occasion de mener deux ateliers. Donc, un atelier d'accompagnement à la parentalité, un atelier avec la Croix-Rouge française sur l'initiation au premier secours enfants et nourrissons. Alors, l'intérêt du partenariat avec la mutualité, c'est que bon, tout seul, on va peut-être vite, mais quand on est deux, on va plus loin. Donc le fait de pérenniser les actions, donc on a déjà des savoir-faire, des savoir-être, on a un réseau relationnel, et donc du coup on se partage les tâches. Si tu effaces pas, je remets.